quel chemin dans lequel l'homme il veut aller, on le fait aller. C'est-à-dire quoi, toi tu veux, et Hachem va faire que tes actions, elles vont suivre. Mais des fois, tu me dis les actions ne suivent pas. Alors ça sert à quoi que je veux? Je veux, mais ça ne suit pas. C'est bien joli, mais ça ne suit pas. Ah, bah, Hachem, il y a une autre Gemara qui nous ramènera ici. Maseret Brachot, page 6, là-bas qu'est-ce marqué? Chishev Adam la tot mitzvah v'ne'enas. Un homme, il a pensé, il a voulu faire une mitzvah, mais il a été empêché. C'est-à-dire que concrètement, dans l'action, il ne l'a pas faite. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Velo asa, et il ne l'a pas fait. L'action, il ne l'a pas faite. Ma'ale ala vakatouv, keilu asa. La Torah lui compte comme si qu'il l'a fait. C'est sympa. C'est ça, même quand tu veux et que tu n'arrives pas encore à passer à l'action, si tu veux vraiment cacher, il voit dans ton cœur que tu veux, il te compte comme si que tu as fait. Donc regarde comment c'est extraordinaire. Même les endroits qui te paraissent les plus impossibles de bouger, toi tu commences pas le combat parce que tu dis c'est impossible de le faire. Mais encore une fois, la Gemara dit t'inquiète pas, si tu veux et que tu continues à vouloir et à vouloir, on va t'envoyer des forces, on va t'envoyer des malachim, des anges, et dit le Maharsha, encore des anges et encore des anges qui vont te pousser à aller dans le chemin dans lequel tu veux aller jusqu'à que tu au final. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être des fois dans 6 mois, des fois c'est des petites choses, des fois dans 1 semaine, des fois c'est dans 10 ans. Au final, tu vas arriver à l'action. Hachem va donner la force, le ribon kol ha'maasim, lui qui est bala yecholet ou bala kochot kolam, le maître de toutes les actions, qui est le maître, le rassembleur et l'effecteur de toutes les forces de ce monde-là, c'est-à-dire celui qui est l'énergie, qui distribue l'énergie à chacun d'entre nous, et qui est l'énergie en même temps de toute l'humanité qui est Akadosh Baruch Hu. Quand il voudra, il te donnera l'énergie de passer du potentiel au concret. Toi, ton job, c'est pas de faire le concret, c'est Hachem. Toi, ton job, c'est de vouloir. Et ça, tu peux toujours vouloir. Il n'y a rien qui t'empêche. Et plus que ça, même si tu n'as pas réussi encore dans l'action, Hachem, justement, il est Rahman et il est Amitié, il est miséricordieux et vérité. Il te compte, Hachem, le fruit de ton labeur, qui est ta volonté. Parce qu'il n'y a que là où tu existes. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu. Le secret du libre arbitre, et ça on verra dans les prochains cours en long et en large, tout le secret du libre arbitre, on l'amènera à toutes les Mekorot, une partie des Mekorot, des sources. Le secret du libre arbitre, il est dans ta volonté. Dans ta volonté. Et ça, là-bas, tu es toujours un Ben Chorin, un homme libre. Même si tu es en prison, attaché avec des lanières ou des barreaux de fer, des menottes, des pieds à la tête, personne ne peut t'empêcher de vouloir ce que tu veux vouloir. On peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Mais vouloir, on ne peut jamais t'empêcher de vouloir. Et non seulement c'est notre libre arbitre, mais c'est sur ça, on verra, qu'Akadosh Baruch Hu, il juge chacun d'entre nous. C'est sur ça qu'un homme va avoir de la bracha dans sa vie ou pas de la bracha dans sa vie. Un homme, quand il n'a pas de la bracha dans sa vie, qui ne dit pas parce que j'arrive pas encore à faire cette mitzvah, parce que Yochad Vesham, je suis encore retombé dans cette avéra-là, c'est pas sur ça que le jugement céleste, il est fait. Le jugement céleste, il est vérité. Il est fait sur au fond de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te rapprocher d'Hachem? Ou bien tu t'es désespéré et tu veux ce monde-là? Plus un homme va vouloir, chas de shalom, dans une autre direction qu'Hachem, plus il aura du din sur la tête. Il aura de la rigueur sur la tête. Mais encore une fois, aller dans le contraire de la volonté d'Hachem, ça peut être même dans le monde de la Torah. On peut être dans la Torah et Hachem, il veut certaines choses que toi tu as mis une croix dessus. Hein? Le bonhomme me dit, moi je suis au Kollel toute la journée. Je connais quelqu'un qui a divorcé comme ça, il était au Kollel, il avait un point noir, c'était sa femme. Un point noir, sa femme. Il a divorcé, il a dit, je vais me remarier, ça va mieux se passer. Il avait 3 enfants. Il s'est remarié, il a eu un enfant, je l'ai revu, mais je suis revu le même enfer. Je lui dis, mais c'est normal. Tu crois que tu vas changer ta réparation, ta mission par une autre mission, genre c'est bon, je prends une roue de secours, ça va mieux se passer. Si tu travailles pas, ça va tuer jusqu'au bout là-bas. Mais si tu veux, si tu te désespères pas malgré la difficulté de la mission qu'on t'a envoyée, peu importe le côté de la Torah que tu n'arrives pas à faire, etc., si tu te désespères pas et que tu veux véritablement aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, là où il n'y a aucune accusation sur toi. Et tu auras les brachot que tu dois recevoir, parce que dans ton cœur, tu veux aller dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit que tu dois aller. Et sur ça, messieurs, on peut chanter
En shum yeush ba'olam klal. Rabbeinu sha'ag ve'kol gadol. En shum yeush. En shum yeush. En shum yeush ba'olam klal. Mitzvah gedolah liyot besimcha. בשמחה, בשמחה תמיד, מצווה גדולה. בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Quand on a compris ça, messieurs, alors on sait que chaque bonne volonté, elle nous rapproche d'Hachem. Chaque bonne volonté, elle donne du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et elle va nous amener dans notre cœur, à nous, une jouissance véritablement. C'est ça qui nous rapproche d'Hakadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de désespoir. À ce moment-là, on peut être heureux, même dans une situation qui est dans les actions. Au niveau des actions, elle est peut-être désespérée. Mais comme je sais que dans ma volonté, c'est là où j'existe, et c'est là où Hachem, il m'attend, alors je peux être besimcha, même si je suis encore en prison. Parce que dans mon cœur, je veux être libre. Dans mon cœur, je veux aller dans le chemin de la Kodesh Baruch Hu.